le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un vidéo achat. Et oui, il me semble que ça faisait comme longtemps que j'en faisais pas, et puis là soudainement plusieurs nouveaux vidéos achats sur ma chaîne. Mais on dirait que quand je suis enceinte, j'aime ça magasiner des vêtements. Fait que aujourd'hui j'ai des vêtements pour moi, j'en ai un petit peu pour Jaden aussi à vous montrer, mais j'ai des achats chez Sephora. C'est excitant parce que ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas acheté chez Sephora. Puis vous savez, j'ai travaillé là quand même 2 ans, je sais plus. Puis presque 2 ans, il me semble. Puis j'ai acheté beaucoup de choses. Je me suis calmée avec le temps. Mais là, j'ai acheté 2 petites choses. Puis je suis vraiment contente. Puis je suis contente parce que j'ai acheté des vêtements à l'aubainerie. Et c'est des vêtements de non-maternité. Fait que je voulais vous montrer en fait ce que ça donne sur moi. Parce que quand t'es enceinte, t'es pas obligée d'acheter des vêtements de maternité. Surtout l'été, je trouve que les robes régulières, tu sais, ça fait super bien. Fait que je vais vous montrer des options comme moins cher là, pour magasiner en étant enceinte. Fait qu'on va commencer en fait avec ça, avec l'aubainerie. Fait que je vais vous montrer en fait le résultat que ça donne sur moi. Donc là vous allez voir que quand j'aimais un modèle, je l'ai acheté en différentes couleurs parce que c'était vraiment pas cher. Fait que j'ai acheté cette robe là qui est lignée. Puis j'adore vraiment la coupe là dans le bas, vous allez voir. Elle est super belle, enceinte ou pas enceinte, elle va être très belle. Je les ai pris dans le large les robes pour être sûre comme qu'ils font tout l'été. Fait que je l'ai pris dans le bleu ligné blanc et dans le rouge ligné blanc. Fait que je vais vous le mettre juste une fois sur moi, là, la couleur. C'est le même modèle. Puis dans le fond, il était 12,98. Fait que je l'ai pris dans les deux couleurs parce qu'elle est vraiment confortable. Puis je l'ai mis hier, là. Puis sérieux, je l'adore. J'étais dans un groupe de mamans sur Facebook, puis il y en a plein qui disaient avoir acheté les robes maxi de l'aubainerie parce que ils sont super extensibles, puis qu'ils font pas. Parce que des fois, il faut vérifier ça, là. Ça peut être extensible à bedaine, mais il faut pas que ça ait l'air transparent, vous comprenez? Parce que quand ça s'étire beaucoup, sinon le tissu pourrait avoir l'air. Mais j'ai acheté juste une robe, deux robes maxi, une grise lignée noire. Eux, je pense qu'ils étaient comme 10$, là. C'est trop pas cher. C'est vraiment confortable à mettre l'été. Puis je l'ai pris dans le noir lignée blanc, fait qu'elle était 9,98 exactement. Fait que je l'ai pris les deux dans le large. J'ai pris cette robe-là avec des petits ananas. Elle était 9,98. Donc le top il est comme ça ici, il est comme des petites bretelles. Et elle est un peu plus courte. Et ça c'est un point aussi à regarder par exemple quand vous magasinez puis vous êtes enceinte puis vous achetez des vêtements réguliers. Faut pas qu'elle soit trop courte parce que vous pensez qu'avec la bédaine ça remonte. Fait qu'elle est pas trop courte. Puis c'est des petits ananas qu'il y a dessus, je capote. Puis vous, je sais pas si vous vous rappelez que j'avais acheté à Jaden des t-shirts avec des ananas. On va fitter. Fait que on a acheté aussi des petits chandails. Ils étaient 2 pour 12 pour Jaden. Je voulais y acheter des chandails 18-24 mois là, parce que c'est ça. Il y avait besoin de chandails. Donc ça c'est des 18 mois que j'ai pris parce qu'ils sont faits quand même grands, je trouve. C'est 2 pour 12. Fait que j'ai pris lui et lui. Ça fait très été. Fait que j'aime vraiment ça. Maintenant, des vêtements du thème maternité. Ce chandail-là, quand j'ai vu sur le site, j'ai comme, je le veux. Il est trop beau. Sérieusement, j'aime vraiment la coupe. C'est dur à montrer comme ça. Je vais vous le montrer quand il va être sur moi. Là, ça va être plus facile à montrer. Mais en fait, c'est un chandail que tu peux mettre les épaules montées ou les épaules baissées avec le petit genre de volant et la corde à la bédaine qui vient comme avantager la bédaine enceinte. Fait que j'ai pris ça, j'ai pris une paire de leggings qui est les leggings noirs que je porte, je les ai en ce moment sur moi. C'est la même paire que j'ai depuis que j'avais 10 semaines enceinte de Jaden. Fait qu'ils commençaient à être usés, fait que je les ai achetés dans une nouvelle paire, celui-là c'était 42$. J'ai acheté aussi une jupe tout simplement. Je sais que j'aurais pu en prendre mettons de non maternité, mais la bande élastique là, en haut, en fait à partir d'ici c'est une bande élastique comme qui va sur la bédaine, elle est vraiment confortable, super extensible. Donc je l'ai acheté, elle était à 39, mais dans le fond c'était dans les basiques, puis quand t'achetais deux morceaux dans les basiques t'avais 15%, puis les leggings aussi ils l'étaient. Fait que elle est juste noire lignée blanche, je voulais prendre juste un petit classique. Et ce que je capote c'est les brassières que j'ai acheté. Là je porte ce modèle là en ce moment dans le noir, donc je l'ai aussi acheté dans le noir. C'est une genre de bralette comme ça. Fait que c'est pas de la vraie, pas de la dentelle qui pique là.
c'est transparent dans le haut, mais couleur plus transparent. J'aime vraiment beaucoup, puis c'est une brassière d'allaitement. Puis j'ai pris extra, extra large. Puis le prix avant rabais, c'était 40. Il était en rabais à 34, puis il y avait 40% sur le rabais, fait qu'ils m'ont revenu pas très cher. Puis il y a elle, qui est quand même similaire, là, qui est mauve pâle, mais je sais pas si vous voyez le haut, il n'y a pas de transparent. Fait que j'ai pris eux, j'aime beaucoup le modèle, il est super confort, fait que je l'ai dans le noir sur moi. Un dernier morceau de vêtements pour moi, c'est ce chandail ici. Vous saviez que je vous avais dit que je voulais acheter un autre chandail vraiment poule, j'avais un 40$ de rabais, parce que elle m'avait donné un coupon, un code rabais parce que ça avait pris du temps à recevoir mon premier chandail. Donc je l'ai pris dans le noir, vous l'avez vu dans mes vlogs. C'est le noir court, mais c'est pas la même coupe que l'autre. C'est une coupe comme un petit peu plus lousse, mais tu sais, c'est pas lousse enceinte. Puis je capote, je l'ai reçu en moins de 2 semaines. L'autre, ça m'a pris genre 11 semaines à le recevoir. Fait que moi, dans ma tête, je m'étais dit j'allais le recevoir genre à la fin de l'été, puis je l'ai déjà reçu. Fait que je capote un peu, je suis vraiment contente. Ça me fera peut-être pas jusqu'à la fin de ma grossesse, comme c'est court, tu sais, ça va remonter. Mais après, il va me faire, puis je l'aime vraiment beaucoup. J'ai été magasiner des petites camisoles pour Jaden, parce que comme je disais, elle a besoin de petits chandails d'été. Parce que là, rendu à son... Tu sais, oui, j'ai aimé des cache-couches dans la maison, mais quand on sort, j'ai mis qu'il y ait comme autre chose que des cache-couches, tu sais, des chandails, genre. Fait que j'ai pris des petites camisoles, c'est la marque L&P. Fait que ça, c'était... Je pense sont comme 16, ouais. 15,99. Mais je les aime vraiment beaucoup. Fait que c'est des 18-24 mois. Fait que j'ai pris le uni bleu avec du genre de brun et le uni gris et le bourgogne. J'ai hésité à y prendre une autre à motif, mais j'ai pris ces deux-là. Je les ai pris dans le 18-24 mois. Les achats chez Sephora. Ah, je l'ai acheté. C'est la Moderne Renaissance de Anastasia. Elle est tellement belle, cette palette-là. Genre, ça faisait longtemps que je la voyais puis qu'elle me faisait de l'œil. J'ai décidé de l'acheter. Voilà, les couleurs sont tellement belles. Aujourd'hui, je l'ai, mais... J'ai fait vraiment ça simple aujourd'hui parce que j'ai mes allergies, donc mon œil me brûle. J'aime mieux pas mettre trop de maquillage, mais aujourd'hui j'ai mis celui-ci, celui-ci et... Quel que j'ai pris? Ouais, en fait je pense que j'ai pris ces trois-là aujourd'hui. Ouais, ben ces quatre-là. Fait que c'est trop beau pis c'est vraiment des couleurs que j'ai pas, fait que c'est pour ça que je me suis permis de l'acheter. Fait que des tons de rose, vraiment des tons plus chauds là. Je capote, rose, rouge, orange. Donc je vais beaucoup beaucoup la porter. Je l'ai portée hier aussi, puis mais un look différent, puis j'aimais beaucoup ça. Et je me suis acheté un crayon à sourcils. J'étais due pour un nouveau crayon. Puis là, peut-être vous voyez mes sourcils différents que d'habitude. Je suis vraiment pas habituée parce que, ben en fait je vais vous montrer c'est lequel. C'est celui de Benefit, il m'intriguait vraiment. Fait que je l'ai pris dans la teinte numéro 3, je pense. Il est pas là, le numéro. Numéro 4. Je prends la teinte numéro 4. Ah oui, ça allait jusqu'à 6, c'est pour ça. Ok. Qu'est-ce que je suis pas habituée en fait, c'est que la pointe, c'est comme une pointe en biseau, comme vous pouvez voir. Fait que celui que j'avais, c'était juste une petite pointe. Fait que ça fait vraiment différent. Mais là, il y a une petite brosse comme ça de l'autre côté que j'aime beaucoup parce que je m'en sers. Mais c'est ça, fait que je suis comme pas full habituée encore. Mais c'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui avec de la poudre que j'utilisais avant, mais il tient vraiment bien ça, ouais, mais là ça va être à voir, là. Faut que je le teste un petit peu pour vous dire vraiment mon opinion. Pour venir, j'ai des petites casquettes à montrer pour Jaden, donc j'ai reçu cette casquette-là quand j'ai été à l'événement de la compagnie Head Store Kids, donc c'est des petites casquettes, des petits chapeaux pour enfants, puis ils font les mêmes modèles aussi comme pour adultes, fait que je pouvais choisir celle que je veux, j'avais tellement de la misère parce qu'ils sont vraiment belles les casquettes, vous pouvez les trouver dans comme... plein de boutiques là. Donc moi j'ai pris celle-ci parce qu'elle fait vraiment été, je crois qu'elle faisait différente de son autre qui est comme toute noire. Donc il y a du turquoise, du rouge, ça fait vraiment été. Puis la tache est comme ça ici en arrière, elle fait vraiment bien. Puis il aime ça mettre des casquettes, il est trop cute, on le montre devant le miroir puis comme il sourit genre, il aime ça. Je sais pas si parce que moi des fois j'en ai une puis Anthony aussi, mais il aime vraiment ça. Puis je voulais vous montrer elle parce que c'est mon père qui lui a acheté. Ah, elle est trop cute! Puis ici, c'est écrit « My first ». Fait que l'autre, c'est grandeur baby. Puis celle-là, c'est la grandeur... Enfin, ils disent 48,3 cm. C'est ça? Ouais. Fait que
c'est qui est enfant, genre. Fait que c'est vraiment la grandeur qu'il fait en ce moment. Puis c'est pas ajustable, là, mais c'est comme bien à l'intérieur, ça tient bien au niveau de la tête. Elle est trop belle, puis mon père lui a acheté parce que j'ai la même casquette. Donc oui, on va fitter, moi et mon fils. Je le trouvais tellement cute! Merci, j'allais dire merci grand-papa, mais merci mon papa. Fait que c'est ça, c'est tous mes achats que j'ai fait dernièrement. Alors j'espère que vous avez aimé mon vidéo et on se revoit bientôt. Bye tout le monde!